Bonjour tout le monde, c'est Butoutesodéfinition qui vous parle et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Android 11. Alors j'avais fait une vidéo précédemment sur Android 11, où il supporte les applications pour mobile seulement qui sont supportées. Et ben maintenant je vais vous montrer les informations supplémentaires. Vous voyez le prompt ici là, qui est là. Je vais vous montrer comment enlever ça, enfin, on peut pas l'enlever, mais sauver en deux de moins. Mais dès que je tape au clavier là, comme ça, vous voyez, ça fait des ça fait ça ça, ça le bouge. Et pour le contrer, c'est simple, il suffit d'avoir une clavier virtuelle. Et je vous recommande Gboard. Dernière chose, quand vous êtes sûr, quand vous avez choisi, quand je vous ai demandé de choisir Other Linux 64 bits. Ce qu'il fait, c'est en PS2 le pointage. Hein. Donc basculer en USB MT, enfin voilà, touchpad, et ça va passer, et comme ça, il n'y a pas besoin qui éventuellement, tu vois, voilà, il fait ça. Voilà, ok. J'ai installé Gboard. Ok. Donc Gboard est là. Désolé pour le Gboard est là. Là c'est Gboard. J'ai désolé parce que j'ai un peu galéré à l'installer pour le coup. Voilà. J'ai installé là. Je vois l'inscription Gboard. Il est là. Voilà. C'est bien. Enable Setting. Alors ça enlève parce que j'ai pas activé en français. Voilà. Done. Voilà. Done, voilà, et là on a. Alors bien sûr, dans Advanced, désactiver ça, c'est si vous dévisez, parce que ça c'est pour les statistiques et tout là. Ouais, voilà, et bien sûr, quand ça marche, c'est simple, je fais ça normalement. Ça marche pas, bon, ça marche pas. Attends, du coup, je disais que normalement ça va marcher. Attendez, qu'est-ce qui peut marcher? Je sais pas. On va chercher. Alors, c'est une VM spécifiquement pour le. Pour le. Gboard marche. Donc, utilise Gboard. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de. Attends, c'est bon, j'ai trouvé. Bah, Gboard, il va être là, voilà, il est là. Putain, pourquoi il s'affiche pas? Appliquer, voilà. Excusez-moi, il s'affichait pas du tout, j'ai pas compris là, délire. Ah, je sais pourquoi. Il faut, ah oui, il faut d'abord, il faut activer ça, voilà. Activer ça, et vous avez la vie. Comme ça, vous n'avez pas besoin de taper comme ça et que le prompt ça fait problème pour le temps parce qu'il fallait des notes found. Comme notes found, après, c'est bête, hein. Mais sinon, vous faites ça, et voilà, ça fait. Du coup, ça merde. Du coup, le prompt ne bouge pas. Voilà, la solution pour efficace. Hein. Voilà, c'était tout. C'est plutôt de se dire, je vous dis à la prochaine.